Gaëtan, quel bonheur. D'abord, racontez-nous ce but. Qu'est-ce qui se passe sur cette action-là? Bah, écoute, je vois la balle monter. Moi, je suis déterminé à y aller. Et je les vois un peu hésiter, donc détermination, j'arrive à l'avoir le premier. Vous avez parlé avec le gardien bordelais? Ouais, là, je suis allé le voir. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit, tu m'as bien eu, parce qu'il veut la mettre dans la niche, il me dit. Il a un peu hésité au début, et moi, j'étais déterminé direct, donc j'ai eu la chance de passer avant lui. Derrière l'idée, c'est fêter ça, mais pas trop, vous regardez le ciel. C'est quoi cette célébration? Non, ouais, je veux partir. Après, c'est vrai que voilà, je respecte énormément le club, donc j'ai très vite calmé parce que je les respecte et je veux pas leur faire de peine, donc c'est raison, aux supporters et tout ça. Et après, voilà, un petit clin d'œil à ma grand-mère aussi qui est décédée, qui était vraiment pour Bordeaux depuis tout petit. C'est un petit clin d'œil à elle aussi. Alors, on va parler de choses réjouissantes. Vos buts, ce début de saison de Montpellier, c'est la vie en rose pour Montpellier pour l'instant. Ouais, tu le dis bien, en plus on a joué en rose aujourd'hui. Mais bien sûr, on fait un très bon début de saison. On prend match par match, on avance. Mais il n'y a pas besoin de s'alarmer, de vraiment avoir des ambitions aujourd'hui. La saison est encore longue. On est bien, on avance. Maintenant, on est en haut. Il vaut mieux être là-haut pour la confiance, pour avancer sereinement. Et ce soir, vous avez regardé Nice-Marseille tranquillement alors? Oui, tranquillement, et peu importe qui gagne, honnêtement, nous on marche, voilà, on a nos points, et c'est ce qui va compter à la fin. Merci. Pas de soucis.